Yves Rébaud est avec nous. Yves Rébaud, donc, qui est voilà, géographe. Venez jusqu'au pupitre réagir à ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Je rappelle que vous êtes ici universitaire à Bordeaux-Montaigne, maître de conférences et vice-président du Conseil de développement durable de la métropole de Bordeaux. Alors, enjeux environnementaux, mutations numériques, que vous inspirent nos échanges depuis ce début d'après-midi ? Oui, c'est-à-dire, en fait, si la thématique, d'après ce que j'ai compris, était le lien social, la question est de savoir, à chaque fois, de se poser la question de savoir si les outils rapprochent ou divisent, s'ils sont des outils qui permettent, finalement, à certains individus dotés d'un certain nombre de moyens de réussir encore mieux, et quitte à ce que les autres soient encore plus enfoncés, ou si ces outils sont mis au service, effectivement, d'action collaborative. Pour ça que, effectivement, l'exemple de BlaBlaCar est vraiment un excellent exemple de quelque chose qui part sur une initiative privée, d'abord associative puis commerciale, et aboutit vraiment à du rapprochement, à du lien social. À l'inverse, on sait aussi que ces outils peuvent être aussi profondément diviseurs et effectivement favoriser le plus fort, le plus hargneux, le plus agressif, le plus doté des individus. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut manier avec les outils du politique, évidemment. Merci de cette réaction. Autre réaction peut-être comment ? Oui, bien sûr. Et on peut l'applaudir d'ailleurs. Non, quand le Conseil de développement durable de la métropole, il prend ses outils de quelle façon ? Et quand on évoquait tout à l'heure le coût de la concertation, vous vous souvenez là, au début de notre débat sur mutation environnementale, comment on dépasse justement aussi des choses qui sont un peu de la pensée magique sur les questions d'environnement. Oui, c'est-à-dire que de toute manière, pour faire société, on ne peut pas utiliser simplement, là aussi ce serait le côté un peu abstrait de l'outil numérique, se dire qu'on va faire une consultation nationale en interrogeant 5 000 ou 1 million de personnes pour savoir oui ou non, répondez à ces 15 questions. On a bien vu lors du grand débat à quel point l'opinion se forge dans la concertation, dans le dialogue collectif, dans tout ce rapprochement des corps, des rapprochements physiques des corps, et pas simplement sur le fait d'administrer un questionnaire et de faire des résultats sur des questions. Je vais me contredire si je suis un citoyen, entre le moment où je répondrai de façon spontanée à un questionnaire public et puis ensuite dans un autre moment où, à la faveur du débat, j'interviendrai après avoir écouté les autres. Donc ces aspects de la proximité physique restent quand même la base, le fondement de la démocratie. Et pour ce qui est évidemment de la participation démocratique qui s'exprime dans les conseils de développement, eh bien, je pense que ce sont des outils précieux à préserver, hein, et dont on a vu qu'ils n'étaient pas des lieux de conflit ou rarement, et plutôt des lieux de création et d'imaginaire. Voilà. Merci, Vrébo. Alors, autre réaction.